Bonsoir, bienvenue dans l'émission Sac à Cuite. Dans le moment où on a enregistré l'émission, il y a une grosse activité qui a fait Washington, côté que 45e président américain Donald J. Trump est fait sortir et prêté serment là. Ils font un discours qui, généralement, spécialistes sont considérés comme un discours qui était capable de picouter dans l'histoire du discours qu'a fait. Côté que, lui, requimbé encore le discours protectionnaliste li, sous États-Unis. États-Unis d'abord et le reste du monde après. Seul ça qui gagne dans le discours li, comme point sous politique et étrangère, li, c'est lutte li dit pour mener avec l'autre pays contre les terroristes. Après ça, c'est Amérique, 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 encore Amérique. Dans environ 15 jours, pas bon ici en Haïti, même exercice ça va le faire dans Port-au-Prince avec un nouveau président, 56e président pays d'Haïti, pral prêter serment, qui a 58e pardon, président pral prêter serment qui a Jovenel Moïse. Préparatif yo, yo a fait commission passation de pouvoir là, il y a travail et une invitation qui a fait pour faire des personnalités vini et pas bon ici d'une participer dans et prestation de serment et président Elia Jovenel Moïse. On l'autre côté dans le Sénat commencer me capable de dire gagner tirou nous nous tibouch l'ouvri avec Sénat qui est carrément paraît polarisé. On côté aux jeunes sénateurs qui a supporté et président élu à Justin Briver, et de l'autre côté, au jeune sénateur qui m'a dit carrément et ouvertement météo dans l'opposition et ça fait sur NBACA. Il y a 4 noms qui étaient écrits à président Sénat, puis ils ont demandé et pour te gagner lumière qui était faite d'abord sous les suspicions de corruption, de blanchiment d'argent surtout, qui gagnait sous dos président élu à Jean-Que et UKREF a fait sa sortie dans le rapport. À ce moment-là, l'émission s'est capable pour nous aborder tout point ça. Nous gagnons ensemble avec nous, honorable sénateur Nenel Kassi, qui c'est président bloc Ndeka Abdi qui paraît dans opposition par rapport à pouvoir. Honorable, bonsoir, merci parce qu'on est avec nous à ce soir sur TV. Bonsoir Robinson, c'est un plaisir et pour me participer dans l'émission avant. Pour aujourd'hui, pour nous cuire l'information. Absolument, nous allons cuire. Et tout d'abord, comment vous-même, en tant que chef et opposition dans le Sénat, vous êtes accueilli lorsque le président Sénat les moutons sur tribune, nous comprenons d'abord les balayer et lettre où tu écrit vous ébali pour te demander pour te gagner lumière qui t'est faite d'abord sous suspicion de corruption et blanchiment d'argent qui gagne sur le président Elia avant 7 février arrivé pour le protestement pour que le 7 février nous t'a comme quoi gagné un président qui au-dessus de toute soupçon. M'a fait des remarques pour le comportement président Sénat. Et première remarque là, effectivement, il fait les lettres dans l'Assemblée. Et qui pour nous-mêmes sont bon bagaille parce que tout l'autre sénateur vient prendre connaissance des lettres là. Et deuxième notre bagaille, c'est que le président Sénat lui permet que des cadres et pour lui vont un message à l'Assemblée par l'Assemblée Sénat et que c'est pas eux-mêmes qui viennent pour trancher sur question lettre là. Parce que lettre là nous adressons avec le président Youri La Tortue. Mais ce n'est pas Yuri, c'est pas en tant que président et Sénat, c'est président Assemblée nationale. Oui. Pas oublier que le président gagne pour le prêter serment devant l'Assemblée nationale, ce n'est pas devant le Sénat. Oui. Et ça veut dire Assemblée Sénat, pas de gagner dans le premier temps pour celui qui réagit sur la question de l'être-là. Et l'être-là, tout son lettre, qui a attiré l'attention, non seulement le sénateur, qui peut faire partie de l'Assemblée nationale, là, particulièrement le président. Et l'Assemblée nationale là, qui peut gagner pour mener des cadeaux et séance de prestation de serment. Mais nous avons fait le tout pour attirer la société civile là tout, pour attirer l'ensemble des organisations de droits humains et qui défendent une série de valeurs. Et nous avons fait le tout pour nous montrer quelque part et que nous-mêmes, comme sénateurs responsables, et des choses qui sont dans l'actualité, des choses qui préoccupent tout le monde et que les miens doivent être soulignés. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il n'y a pas de question pour l'Assemblée Sénat trancher sur la question de l'être là. Ok, c'est bien. Maintenant, sénateur, les clair sur ça, les fixe position. Comment comprendre dossier ça? Qu'est-ce qui fixe position? Non, il y aura tortue, sénateur et président Sénat. Non, il n'y a pas de fixer position. Non, mais clarifier pour nous. Non, son courrier, son correspondance qui vient de nous, normalement, il y a pour la lecture de correspondance dans l'Assemblée. Et ça seulement nous fait? Oui, et nous-mêmes nous sommes là. Si tu as dit plus ou bien en plus qui vous êtes fait, nous n'avons pas agité. Probablement, dépendamment des gens de la justice et travail sur la question, dans le cadre de l'Assemblée nationale
côté tout le monde sentir confortable pour participer là-dedans. Mm-hmm. Et les ça, on peut aller que on lettre comme ça pour faire débat dans l'Assemblée nationale. On va oublier son lettre qui est adressée à président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas président Sénat. Et pas président Sénat. OK. Ça veut dire, au contraire, pour moi-même, Mioïté qui a fait économie de temps, il n'a pas fait lecture. Parce que c'est pour l'Assemblée nationale. Là, nous. Ah, ça veut dire, Yuri, en tant que sénateur Yuri, en sa qualité de président Sénat et l'Assemblée nationale, lorsque l'Assemblée nationale l'a réuni, il n'est pas obligé à l'île dans la séance avant. Peut-être, ça a le poté quelque part, c'est qu'il permet que la société, l'opinion nationale et internationale, informe des lettres 4 sénateurs. Mm-hmm. C'est ça, je pense, qu'il poté en dit plus. Okay. Parce que si c'est l'autre monde qui est président Sénat, ou bien qui était président de l'Assemblée nationale, là, on t'a pas adressé lettre là avec. On dit par exemple, pourquoi ça m'a pas adressé lettre là avec le président Cholzé? Parce que Cholzé n'est pas président de l'Assemblée nationale. Là. Absolument. Ça veut dire, si c'était Cholzé qui était président de l'Assemblée nationale, là, même les, nous-mêmes, quatre sénateurs, nous n'avons pas fait partie des chambres de députés, nous t'avons adressé là avec Cholzé. Okay. Même Jean-Si Jodin Jodia, il y a des députés qui préoccupaient par la question. L'a adressé d'être là avec le président Yuri comme président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez comprendre, sénateur Kassi, le 7 février, lorsque l'Assemblée nationale l'a fait, nous prenons, correspondant à l'Assemblée nationale, là, mettez en discussion carrément? Il y a plus de lits et que n'importe qui député sénateur est capable d'intervenir sous lui. Et le président n'a pas un rôle classé. Le président, si le président décide de classer, c'est là que. Les gens qui font partie de l'Assemblée, les parlementaires, ils même pas eu aucune réaction. Mais dans les cas où ils ont eu une réaction, le président lui-même qui a mené la séance, l'attendait à l'Assemblée et en fonction déjà de l'Assemblée positionner sur la question, lui-même la permet que l'Assemblée ait une bonne décision. Qu'est-ce que capable de faire dans le cas ça? On nous dit le dossier pour l'instant au niveau de la justice. Effectivement, ça, le président lui dit à mon côté, il a raison. Parce que nous-mêmes, en tant que pouvoir législatif, nous avons des limites. Mm-hmm. Même gens pouvoir exécutif ont des limites. Même gens pouvoir judiciaire ont des limites. Mais pour l'instant, le pouvoir judiciaire l'a fait travailler. Mais nous devons seulement attirer l'attention de tout le monde. Pour personne ne pas dire qu'il a été ignoré une démarche comme ça. Et à partir de ce moment, nous attendons la justice, quelque part, lui clarifier la question pour nous. Et dépendamment des salariés spotés, nous-mêmes, nous connaissons comment c'est un ça, libre à le passer. Avant de venir sur Jean, je suis à avancer devant la justice, puisque ce matin, il y a ULCC qui parlait, il y a Jovenel Moïse, président Elia qui parlait. Qui capacité de, entre guillemets, nuisance, quatre sénateurs ça a gagné? D'abord, est-ce que, permettez-moi d'utiliser la capacité de nuisance, non? Pas de façon trop Peugeot. C'est l'âme d'avoir l'intérêt. Peugeot, pas trop Peugeot. Mais comment capable de nuire à l'Assemblée nationale là? Nous pas dans une démarche pour nuire, ni bloquer. Nous avons une démarche côté notre pays. Pays, c'est pour nous lier. Il y a une image pays qui est pour nous protéger. Et nous-mêmes, les quatre sénateurs, nous avons un mandat. Un mandat pour nous protéger. Les valeurs républicaines, nous avons un mandat pour nous protéger l'image pays. Nous. Et quelque part, nous ne sommes pas capables d'avoir un citoyen, entre parenthèses, qui nous dit qu'il prend le président. Et qui a un pile de soupçons sous lui, qui a un pile de doutes sous lui. Et les ça, je pense que nous-mêmes, nous ne sommes pas utiles à la société si nous ne sommes pas attirés à l'attention instances qui concernent nous sous question ça. Ça veut dire, pour l'instant, je pense que nous-mêmes et la société a regardé. Regardez comment le dossier a pas avancé. Et au fur et à mesure que le dossier a pas avancé, nous avons bien une proposition. Mm-hmm. Et c'est en fonction des gens de la justice à traiter le dossier. Mm-hmm. Et grande période que la justice lui-même, si quelque part, les gens traitent le dossier, société n'a pas satisfait, sénateur n'a pas satisfait, les ça, nous-mêmes au niveau du pouvoir législatif, nous avons bien pour nous bailler position. Non. Parce que l'aide qu'il nous fait sortir là, c'est pour une position de justice. Okay. C'est pour une décision de justice. Okay. Parce que nous n'avons pas d'autorité. Celle qui a autorité, ça, c'est là que nous érigeons en haute cour de justice. Mais pour l'instant, nous faisons une remarque pour la société, pour toute instance qui concerne. L'Assemblée nationale, qui a fait le 7 février pour la prestation du président élu, combien de sénateurs qui doivent être là pour gagner le quorum?
Moi, je pense que Robinson a dit il y a plusieurs scénarios ou bien plusieurs hypothèses qui ont été établies. Allez-y. On dit que la justice est arrivée à un moment de la donnée, il a dit et que ah, est-ce qu'on connaît les citoyens concernés, ils ont inculpé. Qui comportement acteur politique, qui comportement et Assemblée nationale, parlementaire ou alguien. Et là, ça, est-ce qu'il y a bien Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y a pas bien Assemblée nationale? Ça doit faire partie des préoccupations de tout. Parce que l'être nouveau, nous-mêmes, étant donné que nous en concertation en permanence entre nous, les quatre sénateurs, mais il y a de l'autre sénateur qui est préoccupé par la question. Mm-hmm. Parce que c'est une question de valeur morale. Ce n'est pas une question de cas où on va être mesquin que nous gagnons avec les citoyens concernés. C'est une question de pays qui a parlé là. Ça veut dire qu'il y a des sénateurs qui ont le respect pour eux et qui ont parlé avec eux tout et qui allaient dans le même sens avec nous. Sauf que dans le moment, ils n'ont pas choisi si ils sont là. Même penser que pour nous arriver 7 février, au cas où il y a tellement d'évolution dans la question ça, et que le dossier vient dépasser même le Sénat. Mm-hmm. Mais comme l'Assemblée nationale son instance et pour nous-mêmes qui vous prenons des grandes décisions, et à partir de ce moment, si il y a un problème qui pose, l'Assemblée nationale a saisi des questions. En ce qui a trait avec l'Assemblée nationale la même, journée 7 février, là, il y a un pile préoccupation. Mm-hmm. En pile préoccupation. Est-ce que l'Assemblée a pris le fait à partir des quorum qui va chercher pour dégager dans chaque et chambre? Ratio, oui. Et on a dit au niveau de la chambre, là, est-ce que probablement il y a 16 sénateurs qui prennent satisfait du travail de la justice qui est présent? Ou bien est-ce qu'il y a 20 sénateurs qui sont satisfaits du travail de la justice qui est présent? Et je pense que c'est. Dans le niveau ça, pour nous, c'est une question. Non, mais sénateur, techniquement, pourquoi on est capable d'établir, capable de vérifier et confirmer pour séance en fait, nous avons besoin de 20 sénateurs et qui représentent 2/3 ou bien 16 sénateurs qui ont majorité simple? Et son nuance, et pour l'instant, je pense que le bureau de l'Assemblée nationale là, doit réunir sur lui. Et non seulement le bureau de l'Assemblée nationale là, doit réunir sur lui, je pense que de façon séparée, conférence des présidents de réunir sur lui. Est-ce que, aujourd'hui, pour prestation de serment, président de la République, là, est-ce que nous cherchons une majorité de 2/3? Ça veut dire 20 sénateurs. Est-ce que nous prenons une majorité absolue, qui c'est majorité 16 sénateurs, 15 présidents, qui pourrait permettre que le président prête serment? Là, c'est au niveau négatif. Conférence des présidents pour nous garder le cadre de la Constitution et garder le règlement intérieur pour nous connaître qui ça le dit sur lui. Et à partir de ce moment, on a tranché. Parce que il y a un débat. Il y a un débat actuellement dans l'arrière. Il y a des gens qui disent que c'est 20 sénateurs, il y a des gens qui disent que c'est 16 sénateurs. Non, mais par contre, côté règlement interne, Sénat ou bien Constitution, on dit ça de fait dans le niveau ça? Il y a parlé au niveau Constitution de plusieurs types de quorum ou bien plusieurs types de majorité. La majorité des 16 qui ont parlé, et par exemple, il y a des décisions qu'on prend, par exemple, pour bailler un vote de censure au niveau Sénat, on a besoin de 16 sénateurs. Pour bailler un vote de confiance, pour ratifier un Premier ministre, on a besoin de 16 sénateurs. Mais quand c'est des grandes décisions qu'on prend, on a besoin de 20 sénateurs. Par exemple, pour amender la Constitution, on a besoin de 20 sénateurs. Pour déclarer la guerre, ensemble des décisions. En Assemblée nationale, bien entendu. En Assemblée nationale, et gagne qui prend tout de façon séparée tout, et qui mande une majorité de 20 sénateurs. Mais en ce qui a trait avec prestation de serment président, je pense que son bagage pour nous garder parce qu'il n'est pas clairement dit et que prestation de serment président, il faut que c'est 20 sénateurs. Mais presque toute décision qu'il a prend, des cas où, dans le niveau ça en Assemblée nationale, il est toujours recommandé pour ces 20 sénateurs qui prennent décision ça, qui baillent la majorité qui vont voter en faveur ou bien contre. Évidemment, à ce soir, dans l'émission Sakap Kuit, c'est le sénateur Nedel Kassi, chef opposition, on a dit, dans le Sénat, opposition, si vous comprenez bien, qui changeait bout, puisque il y a 2 mois de cela, il était chef majorité à.
pro et privé et pro et pouvoir, je ne veux dire là, renversement de situation. On ajustement pour allez-y, un jour. Allez-y. Nous sommes dans la transition. Mm-hmm. Préoccupation qui est dans la transition, c'était l'organisation des élections. Mm-hmm. Pour organiser l'élection, nous-mêmes nous décompositions. Parce qu'on devait éviter pays à dans le chaos. Et nous pas baille tête, nous, une qualification comme si nous c'est des pro-privés. Mais ça l'est, sénateur. Non, étant donné que dans le moment, gouvernement et président privé, ils ont gagné le même objectif avec nous, qui c'est l'objectif d'organiser l'élection. Okay. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont l'élection et qui probablement a bénéficié de l'élection, qui étaient contre l'élection. Mm-hmm. Alors que nous-mêmes, nous avons dit, étant donné que aujourd'hui, on n'a pas qu'à parler de l'autre type de démocratie, et démocratie qui est une croix là-dedans, mécanisme qui vous permet que la démocratie ça aille marcher, c'est l'élection. Ça veut dire toute action que nous avons posée dans le moment, l'idée est allée dans ce sens. On est d'accord avec le gouvernement qui gagne son gouvernement qui partage. Il y a des gens qui réclament de l'opposition, mais il y a des ministres dans le gouvernement. Ça veut dire pas de question de opposition ou bien de contre. Parce que son gouvernement de transition et qui te mette en place pour permettre que nous arrivions à l'élection et permettre que le pays ait une stabilité pour l'avancer, pour favoriser le développement et la croissance. Invitez-nous, Kouo Ouel, déjà, c'est sénateur Nenel Kassi. Nous avons une pause tout de suite. Nous allons regarder quel comportement nous allons gagner par rapport à nouvelle administration qui va mettre dans la tête de Jovenel Moïse. Et d'autres points, par exemple, il y a une élection qui est programmée pour fêter le 29 janvier, qui va être déterminante, puisque c'est 8 sénateurs qui vont rentrer, ça va être. On l'autre fois encore réchanger configuration et Sénat pour un côté asseoir définitivement pouvoir et PHTK, puisque PHTK a beaucoup plus de candidats qui dans le deuxième tour passer l'autre candidat, ou bien l'opposition pour être capable de grappiller quelques graines pour capable renforcer. Et à propos de ça, nous allons tout ça et plus encore avec le sénateur Nenel Kassi.